Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et juste pour vous informer, je m'en excuse déjà d'avance, la vidéo que vous allez voir c'est la rediffusion d'un stream qui a eu lieu il y a quelques jours de ça où j'ai réussi le challenge qui était de passer le Battle Road Extreme Endurance en no item. Normalement sur la chaîne, et ça date d'il y a des mois et des mois et des mois en arrière, j'ai déjà réalisé tous les autres Battle Road monotype en no item. Il me manquait juste celui-là pour terminer toute la série des 10 premiers Battle Road en no item. Du coup je l'ai réussi, mais comme je vous ai dit, c'est la rediffusion d'un live, donc exceptionnellement sur cette vidéo. Il n'y aura pas de montage du tout, il n'y aura pas de cut, il n'y aura pas de transition, il n'y aura rien. Vous aurez juste la run commentée en live, même si vous allez l'avoir un petit peu en différé. Donc pour ceux qui étaient déjà présents, c'est du doublon. Je peux comprendre que la vidéo ne vous intéresse pas. Et puis je vous invite du coup à revenir demain pour la prochaine vidéo. Et puis pour les autres, enjoy. Je m'en excuse encore pour le fait qu'il n'y ait pas de montage sur cette vidéo. Enfin bref, je vous souhaite à tous un agréable visionnage, bonne vidéo. Vas-y. Et si je prends un trio cyborg dans ma team, qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est mieux? C'est moi qui ai sponsor de mon pote Karima. Ah, je savais pas. Mais merci gros du coup. Merci. RIP, ouais. Malheureusement RIP. Mais cette team elle fonctionne bien. Oh, j'ai pas de carnage alors qu'il y a double debuff. Oh, je suis triste. Oh, vivement que j'ai le trio cyborg dans mon équipe, ça va tellement changer le gameplay. Ce sera tellement mille fois plus simple en fait. Mon code ami. Ma liste d'amis elle est complète mec. Il y a multi quand on réussit ce SBR en no item, j'espère qu'elle sera goldée. Non mais il n'y a pas de multi si je réussis ce no item. Je l'avais dit à l'époque parce qu'il me restait encore des pièces à récupérer pour m'acheter le LR. Maintenant c'est bon, je l'ai le LR. Oh esquive! Oh oui, let's go! C'est ça, Boumal incarné, qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir! Oui! Allez, nice. Bon, ça, c'est moins nice, mais on prend que 84k. Et je peux régène avec le sel ici. Donc, on s'en sort. Bada qui va fracasser ses morts. Ah, quoique non. Parce que du coup, j'ai trop de liens et je vais partir en spa obligatoirement, donc non. Il fracassera les morts de quelqu'un plus tard. Régène. On est bien. S'il n'y a pas de spé, c'est bon, on est bien. Et il n'y a pas de spé, on est bien. Non! J'ai pas gardé l'oméga dans la rotation, je suis un troller. Oh, j'aurais dû garder oméga pour le debuff. J'aurais blague du coup pour le prochain combat. Bon, ça veut rien dire. Putain, il est d'une violence par contre. Oh, mais il est violent, hein, le sel LR. Bon start aussi. Très bon start là. On est quasiment full life. On est bien. Quel est ton Dokkan Fest préféré? Black Goku Intelligence. Ce matin, un pote m'a forcé à faire une multi sur Trunks MS, j'ai droppé. Puis j'ai les gold, je me suis mis yam. GG. Que Obo Jack LR. Très bon LR. Il est super bon gros. Qu'est-ce que je suis? Great Saiyaman. Non. Bah ouais, bah tous les jours de la vie en fait, Great Saiyaman. Oh, j'ai deux bloqueurs de... Oh! Bah là, du coup... Je pense que je vais faire ça. Non. Je vais bloquer l'aspect de la Videl. Et j'ai bloqué l'aspect de Great Saiyaman en dernier. Je sais pas si c'est le bon choix que j'ai fait, mais... je mise ma pièce sur le fait que Great Saiyaman, de toute façon, il va balancer sa spé avant. On va voir si je me suis trompé ou pas. À un de qui près, j'avais l'aspect ultime avec le trio, mais bon, comme par hasard. Debuff, attaque et def. On a 400... Et ouais, mais putain, mais avec le trio cyborg, en fait, on a 400 000 PV aussi, ça change. Hein. C'est beaucoup, 400 000. Oh, double SP, mais oui, mais qu'est-ce qu'il est fort, putain. Yes. Et voilà, bon, il a pas esquivé, mais NP. Salut Pain. Bon, ici on va prendre Bagdad. Mais on n'est pas encore en dessous les 50% PV. Et là, vu qu'il y a eu beaucoup de debuffs en plus, on est sur une rotation qui est Moussoubux. S'il laisse le black, il aura plus de défense ou pas? On va faire un test. Si le black a plus de défense, je le laisse en première position. 101 000, 105 000.
Non, on va redémarrer, je vais laisser plus tôt. Même si c'est que 4000 de défense, hein, mais... Le moindre écart compte, peut-être que je pourrais réussir la run avec Elf, Amo, Soutre et d'HP. Et ça viendra de cet écart de différence. Salut Kamel. Vendre Goku Freezer et Black Intelligence, qu'est-ce que je vendrais? Je vendrais le Goku Freezer LR. Il debuff donc c'est mieux. C'est vrai qu'il debuff, j'avais oublié. C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est pas con, attendez, parce que du coup là je vais prendre plus de dégâts, mais est-ce que au niveau. Ouais. Après, ça dépend au milieu. Est-ce que le CLR il partira en SP ultime? Non, en plus. Ouais, c'est peut-être plus intelligent de la jouer comme ça vu qu'il debuff l'attaque du Great Saman. Ouais. Après, là on prend quasi rien non plus en auto, hein, donc c'est pas plus mal quoi. 12, 13, 14, 15, 16, 17, il démarre à 17. Non, je vais quand même laisser le sel. Tant pis. Et je vais continuer de debuff le Great Saiyaman à l'infini et au-delà. On voit pas, merde. Merde, merde, merde. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai laissé le sel LR en première position. Je suis parti en SP à 17 de ki avec. Le Black Goku, je l'ai fait nuquer. Histoire de pouvoir prendre un maximum de sphère de ki et de pouvoir faire des dégâts sur le Great Saiyaman. Et là, je vais debuff la Videl après avoir debuff le Great Saiyaman. C'est comme ça que j'ai joué le tour. Allez, let's go. Salut Patrick. Lis le chat, j'essaye de lire le chat. Je fais de mon mieux. Désolé. Salut Oïs. Allez, s'il te plaît, mec. Oh, une double SP, ça me ferait du bien, là. Moins un million. Moins un million. Non, c'est qu'une auto. Bah, c'est qu'une auto, c'est... ça fait le taf, hein, l'auto, mais... Oh, on prend tellement rien, c'est tellement fort, là, wow. Qu'est-ce que c'est, cette run? Incroyable. En plus, il va mourir, lui, bientôt. Et voilà, et on continue de debuff, et voilà, et du coup, on prend rien. Même là, le roi Cold, il va prendre maximum 30k. Et encore 30k, je suis même pas sûr, hein. Peut-être qu'il va prendre moins que ça. Hein. Peut-être qu'il va prendre juste 10k ou 5000, ou peut-être totalement annulé, je sais pas. 16 000, et là, 31 000, ouais, ça va. J'étais peut-être un petit peu trop confiant, j'ai oublié que c'était un super strike. Ah, alors là, mec. Ah, mais laisse tomber. Oh là 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 là, la transformation avec le C16, let's go. Let's go, let's go. On a un monstre qui arrive dans le game. Un monstre que je showcase à l'avance. Il va nous régaler à dos. Il va être si fort. Il va tellement tout casser. Il va briser les jambes de tout le monde dans le plus grand des calmes. Sans le moindre respect. Et... Ouais, ouais, enfin, je suis en train de m'enjailler, mais... Attendez, attendez, attendez. Il fait quoi sur sa spé? Monte fortement à def, réduit attaque à... Parce que je crois qu'il perd des PV, non, sur une spé. Ouais, il sacrifie 6% des PV. En vrai, c'est pas worth de partir en SP ultime avec lui. Faut que je fasse gaffe, hein. On va pas le faire partir en SP ultime. On va juste essayer de buter... Bon, on va buter Great Saman, c'est même pas. On va essayer, juste on va le tuer. Et là... Je bloque pas l'aspect. Ah, je bloque pas l'aspect de la Videl, par contre. Ah ouais... On va la jouer autrement. Quoique je suis pas sûr qu'en fait le C17 il a assez de dégâts. Le C16 il a assez de dégâts pour tuer la Videl. C'est quoi au niveau du plateau? Est-ce que Omega il part en SP là? Non, il part pas en SP en plus. Oh, c'est pas ouf. Hein. Qui bleu? Mais Omega au milieu. Bah Omega au milieu, je pourrais le mettre au milieu. Ouais, c'est vrai que je suis con, je l'ai pas fait. Attendez, on va reprendre. On reprend à zéro. L'aide du chat qui carry. Le tech cogne plus fort. C16 tech cogne plus fort, n'importe quoi, mec. C'est le meilleur C16 du jeu, lui. Hop là. Et hop là. Tac. J'ai bloqué l'aspect, c'est bon. Non, mais attendez, on va retester quand même. Spanish or Portuguese. No. Salut Draxi. Pam 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 pam. Pam 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 pam. En vrai, je pense que là, j'essaie de réfléchir à ce que je pourrais changer par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure, mais ça me semblait être petit, hein, comme choix. Les loots, j'en ai lu plein depuis tout à l'heure, les gars.
Bonne chance pour le SBR et Twitch ce soir. Oui, ce soir il y aura du Twitch. Qui est le meilleur entre Black Intelligence et Endurance? J'ai déjà répondu en vidéo showcase. Qui sponsor et qui n'a pas la rediff? J'aide pour qu'il ait la rediff. Envoie-moi un MP et je peux lui donner la rediff en vrai. J'ai un souci, je lance Boostax pour jouer à Danmachi, mais ça me met erreur, appareil non combattible. Faut que tu fasses la mage en fait. Si tu fais pas la mage, ça fonctionnera pas. Faut avoir la dernière mise à jour de Boostax. C'est relou, hein, mais y a que comme ça que ça fonctionne. Ouais, bon, finalement, on va jouer le même tour que j'ai fait. Je reviens au point de départ. Et ça me paraît pas être une mauvaise idée en plus. Donc je vais rester sur ça. Et au cas où le C16 ne termine pas, je focus le Great Saiyaman. Oh, il tank fort quand même. Oh, il tank fort! Mais what the fuck, la tankiness! Mais mec, c'est quoi ce LR? Comment il tank? 23 000 en SP? Pas mal. Pas mal, pas mal. Le truc que j'aurais pu changer, c'était garder Omega dans mon tour. Mais je voulais pas. J'ai pas gardé Omega. Et là, du coup... Oh, oui! Oh, l'aspect, elle est bloquée. Je pars pas en SP ultime. Je peux le tuer. Oh, oui, monsieur. Oui, oui, oui. Let's go. Oh, nice. Donc là, on entame le prochain combat avec 70% PV. Bah, gros, bah, c'est nickel, en fait. Hein. Ah, il en reste plus que deux. On y est. Il faut y croire. C'est dans le désespoir que naîtra l'espoir. Le Gotenks Endurance fait le taf en cogneur et tank. Le Gotenks Endurance lequel? Le SJ3 ou le bloqueur de spé? La run s'annonce bien. Après j'ai tendance à toujours crier victoire trop vite et au final je me fais karma instant. Donc faut pas que je fasse de la merde non plus. Là du coup j'ai la spé. On va bloquer qui d'ailleurs? On va bloquer Vegeta. Vegeta il attaque trop à la fin. Il peut trop nous faire chier. Il nous briser les côtes. Là, du coup, on va focus le Trunks ou le Vegeta, d'ailleurs. Je pense que je vais juste focus le Vegeta. Hein. En vrai, de vrai, oui, je focus Vegeta. Et avec le Roi Cold, je vais encore debuff. Je debuff le Vegeta. Comme ça, le Vegeta, il mettra 0 dégâts. Et il n'y a que ici où je peux prendre des damage. 23 000. Parce que le trio, ensuite, il debuff. Enfin non, il a beaucoup de tankiness de base. Et avec le debuff qui va être appliqué et tout, ça sera BG. Dans quel mode de jeu est-ce que je suis? Battle Rod. Ça tank. 2K. 3K. Esquive en plus. Bah nickel. Bah ouais, bah vas-y monsieur. Tous les jours de l'année en fait. Double spé du Roi Cole comme ça. Double debuff d'attaque, encore mieux. Non, juste une auto. Oh, j'y ai cru quand même. Ça aurait été incroyable. Du coup, là, je prends combien? 20K. 17K, 17K, yes. Un SR qui tank mieux que certains LR. Dans un Battle Road. On aura tout vu. Le debuff ici qui doit me carry absolument. Je dois debuff Vegeta ou je debuff l'autre? En vrai, j'hésite à debuff là. Est-ce qu'il est déjà bien debuff le Vegeta au final? En plus, il a son attaque spéciale de bloquer. Je vais essayer de debuff le Trunks. Parce que le Trunks, il a pas encore été touché. Et ça m'arrangerait bien qu'il le soit. Allez, on va la jouer comme ça. Let's go. On prendra que des autos ici en plus. Allez, le jeu. On est sur des bons bails. On a bien démarré. Il faut qu'on termine bien. Oh, le cri tout. Oui, 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 monsieur. Allez, tue-le. Merde, j'ai pas focus le bon. Ouais, c'est pas que j'ai pas focus le bon, c'est moi qui ai voulu faire ça. Oh, mais on tank trop bien, mais... Oh là là, c'est tankiness, j'ai envie de chialer tellement c'est beau. Trop bien, trop bien. Omega, il tue un des deux. Et on peut... Et le combat, il est fini. Quasiment terminé. On a... C'est peut-être tôt pour crier victoire. Mais là, en vrai, vu comment c'est parti, j'ai limite bientôt gagné, en fait. Hein. SP ultime. Sur qui est-ce que je vais balancer la SP ultime? Sur celui qui a le moins de PV. Je
Je vais tuer le Vegeta first. Je vais tenter de tuer le Vegeta first. Je vais bloquer l'aspect comme c'est prévu du Trunks. Non, du Vegeta plutôt. Et je vais bloquer ensuite l'aspect du Trunks ici. Ouais, on va faire ça. Allez, let's go. Allez, le jeu. On est tellement bien, les gars. Troisième étape, on est à 70% PV. On prend que dalle à l'auto-attaque. On a bientôt tué un des deux box en face. Le trio cyborg qui est en train de nous carry d'une puissance, en fait. Monstrueux. Monstrueux, ce LR. Oh, ça l'a tué. Oh, oui, ça l'a tué. Let's go, let's go, let's go. Oh là 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 là, incroyable. Oh, ça l'avait pas tué. Oh merde, ça l'avait pas tué. Oh, esquive. Oh non, 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 non. Oh merde. Putain, il lui restait un trait d'HP, mais t'es sérieux de me faire des trucs comme ça? Bon, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Parce que du coup, ici, on sait qu'il a l'aspect de bloquer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter totalement de la situation. On va régénérer nos PV, donc ce sera moins worse que de la dernière fois, mais c'est pas grave. Et là, on va récupérer un petit peu de PV aussi, et on va bien s'en sortir. Parce que prochain tour de CAD mode, les gars, et prochain tour selon la run, s'il y a un beau plateau, si je peux partir en SP ultime avec le CLLR ou avec le trio cyborg qui lâche un critique Enervax, je peux gagner. Je peux gagner. T'es worse de perdre 6% de DHP. Mais mec, il était pas transformé le C16, qu'est-ce que tu me racontes? Oh, en plus, je suis en rotation double debuff. Ah, salut Chab, salut Snaf, salut Arthur. Rotation double debuff, les gars. Oh! Oh, mais quoi? Ah, mais attendez, Ah mais ouais, mais attends, là c'est bientôt fini en fait. Oh, si je la perds là, je serai trop deg. Mais en vrai là, je vais l'enculer, désolé du terme, mais là en fait je vais le saigner. Hein. Juste, je vais le plier en deux, je vais le fracasser en 12 là. Il va parler allemand là. Oh mais je vais lui mettre une de ses patates. SP ultime en plus. Bon, je sacrifie 6% de mes PV, on va me dire oui, c'est pas worse, mais si, vous inquiétez pas. Source, t'inquiète. Il me faut la régénération PV. De toute façon, quoi qu'il arrive, là, je pars en Dokkan mode. Est-ce que j'essaye de maximiser 31, 28k. Ouais, ça me fait récupérer genre un tout petit peu de PV. De toute façon, après, il y a le Blagoku Endurance qui va changer les sœurs de ki. Allez les gars, c'est potentiellement maintenant qu'on termine le combat. C'est peut-être là. Enfin, après toutes ces tentatives, après des mois d'attente. C'est 16. Tu pars en SP ultime. Je sais pas s'il a l'art de compétence montée, l'ami leader. Je sais pas, j'ai pas checké s'il avait des doublons ou pas. Mais gros, c'est maintenant ou jamais. On compte sur toi. Il avait 2,7 millions de valeur d'attaque en bas en Dokkan mode. Sauf que là, bah du coup, ça va être augmenté de je sais pas combien de pourcents. Et attention. Oh oui! Let's go! On l'a fracassé! Let's go! Let's go! Let's go! Incroyable le C16! Oh là 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 là, mais quel monstre le C16 en fait! Juste hashtag C16 MVP, mais putain, mais quel monstre enfin! On l'a passé! Oh, je suis refait de ouf! SBR, extrême endurance, en no item, let's go, let's go, let's go. Et la technique avec le sel qui avait fonctionné, et avec bah, le boomal incarnate, avec cette team là, tu te dis jamais je le passe en no item, mais en fait si, c'est passé. Oh là là, en vrai je dis C16 MVP, mais tout le reste a fait le taf. Hein. Avec le debuff, avec la régène, avec la tankiness, oh là là. Yes. Bon, bah vous savez quand est-ce que... Enfin non, vous le savez pas, mais il y a une vidéo du coup qui sortira pour le Battle Road Extrême Endurance en no item. Le titre, ça sera certainement après 6 mois d'attente, on l'a enfin passé quoi. Quel bonheur! Quel bonheur que ça soit passé. Ah, je suis refait. Je suis tellement refait, on va faire une single sur le portail. Même si je m'attends à rien du tout. Mais on fait une single pour fêter ça parce que c'était beau.
Le token mode a presque 5 millions. Non mais il est trop fort. Hein. Incroyable. C16 qui a lâché son meilleur kill. C'est un SSR ça. Et c'est un SSR en single. Attendez. Rainbow en single, c'est SSR. Hein, je crois. Non mais non, c'est SSR. En plus, c'est transformé direct. Non, je l'avais déjà. Putain, dommage. Oh, si ça avait été un LR. Imaginez si ça avait été un LR, ça aurait été ouf en vrai. Bon, dommage.